le local record, bien entendu. Allez, salut à tous, salut aux gens qui regardent cette VOD sur YouTube, salut aux gens sur le chat depuis quelques minutes qui sont présents. Nous sommes le mardi 29 août 2017 et ça y est, c'est officiel, à partir de maintenant on reprend le rythme de 4 à 5 streams par semaine, plus une VOD tous les jours sur ma chaîne YouTube Gaming Dame Dame Live à 17h30, donc chaque jour. Et puis voilà, tout simplement. Donc hier on a commencé Sonic Mania, la version PS4, elle est sympa, même si sur la fin on a galéré un peu notre race, on va essayer de s'en sortir malgré tout, et j'ai toujours un Super Meat Boy au pire qui est dans la console au cas où si on s'en prend plein la gueule, et que peut-être que ça vaudrait le coup des fois de se remémorer qu'est-ce que c'est qu'un jeu vraiment très dur. Hashtag Dark Soul, hashtag Crash Bandicoot is the new Dark Soul. Voilà, et je reprofite de ce début de VOD pour reprendre ce collector qui est beaucoup trop lourd. Le Sonic Mania PS4 qui est à gagner. Le tirage au sort sera dimanche. Et actuellement, nous avons 13 participants sur ces belles paroles. Je vais donc couper cette musique de sauvage. Qui vient d'où? C'était SoundCloud? Non, c'était iTunes pour une fois, tiens. Pour une fois... Allez, ça c'est bon. Ouais, non. Sonic Mania, voilà, c'est celui-là. Yes, yes. Ah oui, je vais remettre le son. On avait mis à combien hier? Moins 3 dB. On va essayer moins 3 dB. Vous me direz si... Ouais. Attends, ah oui, forcément. Vous me direz si, si vous voulez que je mette plus ou moins fort. Comme d'habitude, je compte sur vous. Vous êtes un peu mes producteurs exécutifs de ce stream, hein, finalement. Un lecteur intégré au stream, en fait si, j'avais commencé à en mettre un, mais finalement tout le monde se foutait de ma gueule parce qu'il était ultra moche. Et en plus, vas-y, on se remet à la scène d'intro. Et en plus, c'était un peu... Attends, vas-y, je vais la mettre en plein écran. Vu que j'utilise des fois des flux qui viennent de SoundCloud, des fois de YouTube, des fois de iTunes, j'ai pas de logiciel qui confond, enfin qui cumule tout ça en fait. Moins 3,9. Waouh, la belle intro! Les boss sont assez exceptionnels, quoi. Allez, et on continue. Sonic Mania. Alors, on va voir ce que ça donne. Du coup, vous me redites, j'ai mis un poil moins fort le son. Là, on est sur du moins 4 dB, en gros. Et on arrive, du coup, à PGZ. C'est quoi PGZ? Press Garden Zone. Ok. Et non pas Retro Madness Zone, qui est quelqu'un de ce stream. Donc là, hop, je découvre la zone en même temps que vous. Jump. Alors là, on n'est pas en mode full gros pixel, hein. Là, c'est légèrement lissé, il me semble. C'est quoi, ça? Ah oui, d'accord. Ah, mais je suis dans le trou, mais... Et les meufs et le keuf dans le RER. What? Ça marche comment, ça? Je sais pas. Ah oui, d'accord, on peut passer par là. Là, il y a un truc ici, attends, c'est quoi? Comment je peux faire pour passer, attends? Comment je peux faire pour passer ici? Ok, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Fort bien. On jump. Ok, c'est plutôt clair. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des crabes qui s'envoient des disques. Voilà. What? Qu'est-ce que... Attends. C'est bon, ça. Il me semble qu'il n'y a que 3 persos jouables. Oui, oui, Christina, tu demandais si on pouvait jouer... Oh, merde. Amy Rose, je crois pas, hein, effectivement. A priori, c'est que du... C'est que du Knuckles et Tails. Mais est-ce que je peux utiliser Tails, là? Là, il peut pas me porter, Tails. Attends. Parce qu'en fait, pourquoi Tails me suit toujours? Je sais pas si on peut faire quelque chose avec ça. Oh là là, regardez-moi cet effet de présentation en 3D. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors attends. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu allais faire. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bocal. Ok, ça passe. Salut Triplex, merci pour le follow. Ah oh, putain, il repop à l'infini, ah oui d'accord. Tout un concept. Ça c'est quoi? On peut aller dessus ou pas? Not pretty sure. Wow, shit. Non, attends. Je voulais récupérer des... À droite? Non. Est-ce que là on peut jumper? Attends. En l'air, ouais, ça passe. On peut pas utiliser Tails, hein, du coup, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Il y a un escalier qui se dérobe sous nos pieds. T, 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 T. Ok, d'accord. Alors, T, T, T. Mais, comment on fait? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette zone cachée de la chevrotitude? Allez, on la refait. Ok. Le premier T, le deuxième. Ah mais merde, pourquoi j'arrive pas à nous? Du coup je suis passé, bon tant pis. Tu peux utiliser Tail en appuyant sur O lorsqu'il saute? Non, il se passe rien. Ah, attends. Ah non mais putain, attends, il y a encore deux trucs à savoir d'un point de vue gameplay? Attends. Ouais, en fait, il peut me faire planer, mais comment ça marche? Attends. J'arrive pas à comprendre, attends. Il faut maintenir le bouton haut. Attends. Putain! Non mais j'hallucine! On peut planer dans les airs! Oh non, mais alors là, les mecs! On peut planer dans les airs! Avec Tail! À quel moment vous comptez me le dire, les mecs? Oh la vache, j'hallucine! Ok, d'accord. Mais attends, ça marche pas à chaque fois, j'ai l'impression. Genre là, pourquoi ça marche pas? C'est forcément un truc à comprendre.
Ah, nice. J'ai pas mes tailles. What? Oh, j'ai rien compris ce qui s'est passé. Mais attends, le truc c'est que quand on jump. Putain, ça alors. Ah oui, d'accord. C'est une presse qui est en train de péter les trucs. Et là, ça presse tout. D'accord. Et là, je peux aller au-dessus ou pas? Non. Putain, mais du coup, il y a trop des passages secrets que je vais pouvoir trouver avec ça. D'accord. Donc, en fait, il faut appuyer sur jump avec... en maintenant haut, il faut mâcher le bouton de saut. Oh bah ça alors les mecs, on en apprend tous les jours. Eh, ça pourrait être le nom de ma vidéo putaclic. On en apprend tous les jours. En gras, avec qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme image qui n'a absolument rien à voir avec Sonic. Je mets une image de la fistinière, parce que tu sais c'est Gotago Fist. Et je mets le titre de la VOD, c'est « On en apprend tous les jours ». Je pense que ça peut être pas mal. Putain, ce bocal de l'enfer, là. Ouais, je vais sûrement avoir un time over, mais c'est pas grave. Je préfère prendre mon temps et apprécier... Je leur ferai, c'est pas grave. Attends, maintenant que je sais que Tails peut... Oh merde. Ça, c'était plutôt con. Ah oui. Alors... J'ai l'impression que ça marche pas toujours en fait, c'est assez curieux. Ok. Merci Endal. Endal Endil. Merci pour le seum, mec. Qu'est-ce que vous dites? Je me faisais niquer par le mot... transition. Ah oui, transition. Ah oui, oui, c'est à cause du mot trans. Oh, bah oui, bah pff, tu te doutes bien que ça fait partie des premiers mots-clés que j'ai ban sur ma chaîne Twitch. Malheureusement, d'ailleurs. Ça fait plaisir de te voir ici, en tout cas, Christina. Tu passes pas souvent sur mes lives, je le sais. Ceci n'est pas une critique, hein, bien sûr. Mais du coup, ça fait plaisir. Non bon, et du coup, ça va se solder en time-out. Mais au moins, on va refaire le niveau avec une bien meilleure compréhension... Bon, en fait, t'as passé là, tu vois. Alors, attends. Pourquoi ça marche pas? Ah bah non, là, tu vois, ça marche pas. Ah si, là, ça marche. Faut vraiment qu'il soit au-dessus de nous, en fait. Allez, on va recommencer, du coup, le niveau. Maintenant qu'on a repris le gameplay bien en main... Oh si, sans déconner, t'imagines la VOD, quoi. On fait... Je mets une photo des mecs de la fistinière avec la tête de Sonic collée sur le mec, c'est les mecs qui ont du cuir et tout, machin. Et je mets... On en apprend tous les jours. Ah ouais. Ou alors, faut aller vite, un point, c'est tout. Oh putain, on peut tellement faire dans le putaclic.
Alors. Ah merde, il y avait un passage que j'aurais pu déclencher et que j'ai pas déclenché. Shame on me. Shame on me. Shame on you. Voilà, 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 voilà. Je suis pas passé là tout à l'heure. Ça c'est toujours kiffant dans Sonic quand tu trouves des nouveaux passages. Par où je passe, par là? Ou juste Gotago Fist parce que c'est plus compréhensible? Mais non, les gens ils comprennent pas, il faut que ça soit en français. Il faut que ça soit marqué elle, en fait il faut qu'il y ait le pronom et après le reste de la phrase, tu vois. Genre, elle découvre quelque chose d'incroyable. Gotago Fist. Ça c'est saut 2010, ce titre, ce genre de titre vidéo YouTube quoi. C'était juste ça. Très bizarre hein. Très bizarre ce passage parce qu'en fait on sait pas vraiment. J'allais dire on sait pas où aller. D'ailleurs, on s'est arrêté là. Je pense qu'on devrait doucement arriver sur le mid de Bossou. Non, mais attends, le pire dans l'histoire, c'est que j'utilise même pas Photoshop pour faire ça. J'utilise mon ghetto logiciel de montage de 2006. Le level design est tellement un régal, quoi. Ça sert tellement à rien, ce qu'on fait, là. Magnifique, magnifique. Cette dernière séquence avec les rails et tout, c'était magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Shit. Je comprends pas comment il faut. Faut que j'en mette là. Est-ce qu'il peut? Attends. Ah oui, d'accord, il faut passer en dessous quand il envoie son bras, c'est ça? What? On va y aller un peu façon bourrine. Si, c'est bon. Grâce à la technique du pif du bourrinage, je pense que ça a pu passer. Ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Alors que la neige commence à tomber. Sonic got through. Sonic Gut True. Oh, oh c'est magnifique. Oh c'est magnifique. Oh putain. C'est trop joli. Comment on participe au concours des styles? Alors c'est un tirage au sort qui est fait dimanche prochain pour les personnes m'ayant fait un don de 5 euros. À partir de 5 euros, soit sur Tipeee, soit sur... What? Soit sur Tipeee, soit sur... C'est très bizarre ce qui est en train de se passer. Soit sur Tipeee, soit sur PayPal directement. Il faut bien préciser quand tu fais ça
que tu souhaites participer au concours. Et bien entendu, le concours est interdit aux moins de 18 ans, ça va de soi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui d'accord, c'est un truc de glace. Mais le coup des glaçons qui défoncent tout sur leur passage, c'est exceptionnel quoi. Alors attends. Ah oui d'accord, il faut que je martèle pour un peu. Ah oui d'accord. Oh, il est tellement beau ce décor. J'adore. J'adore le style. Ah. Ah fuck! Ok, ok, ok. Putain, c'est trop cool! C'est trop cool! Et donc c'est le collector PS4 qui est à gagner. Putain, mais les enchaînements d'actions, de level et tout... Putain, c'est trop... On essaye de backtracker un peu, on voit où ça nous mène. Jump, jump. C'est quoi? Tac. Est-ce qu'on essaie de passer par là? Oh, petite vie cachée. Comment on fait pour la... What? Attends, comment on fait pour la récupérer celle-là? Ah, il faut Knuckles, je pense. Attends. Ah, j'adore ce niveau. Ah tiens, vas-y, on essaye le niveau bonus. Alors. Oh. J'y arrive jamais, hein. Il faut Knuckles, hein, c'est bien ça, ouais, ouais. Ah bah si t'as pas de PS4, effectivement, c'est pas... Après, ouais, t'as toujours les goodies, hein, bien sûr, mais bon. C'est sûr que ça limite un peu l'intérêt. Après, tu peux revendre le code sur Internet et garder les goodies pour toi. Hein. Tu peux très bien faire ça. Comme tu veux. You choose. Sans déconner, il est trop bien ce niveau quand même. Jump, jump. Qu'est-ce que c'est? Oh merde! C'était quoi? Ah, c'était des bombes! C'est le pilier là qui envoie des bombes. What? Alors là, il y avait un bumper, mais qu'il fallait prendre super rapidement. Ah ouais, du coup, je peux pas passer, attends. C'est bon. Ah. Ah non. Jump, jump. Mais la tête de Sonic quand il est emprisonné dans sa glace, c'est trop drôle quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Merde, merde. Ah oui, d'accord. Ah, ok. Ah oui d'accord, il faut lui sauter dessus au moment où il nous glace. Attends. Je suis pas sûr d'avoir compris. Qu'est-ce qu'il fait? Donc là. Attends, merde. Là j'attends qu'il se rapproche. Ah ben non, c'est ça le truc. Le problème c'est qu'il y a le... Attends, j'arrive pas à comprendre.
Ouais, c'est ça, en fait, faut se faire exploser au moment où il arrive. Ok, là il balance des trucs. Alors attends, il y a Heimdall qui participe au concours. Je me souviens, Heimdall, t'avais participé au concours Persona 5. Ah merde, et du coup, j'ai pas lu ce que tu voulais mettre. Merde, alors attends. Je vais lancer Streams Labs pour revoir le message. Ah bah oui, forcément, si tu participes pile au moment où il y, y a le boss. Qu'est-ce que tu as mis comme message? Tu as mis... Bon, je tente ma chance. J'espère être plus chanceux que la dernière fois. Et vive les gros pixels. Mais tout à fait, tout à fait. Heimdall, Elendil. Alors attends, je vais tout de suite te mettre sur le... sur le point doc. Histoire de pas oublier... Ouvrir concours Sonic Mania. Pouf! Et ben voilà. Et tu es donc le 14e participant, Heimdall. Et Heimdall, j'ai du mal avec ton pseudo en fait. 14e participant, bravo à toi, merci à toi. Et puis bien sûr, si jamais le. Si jamais le, comment dire, le collector est remboursé pour moi et que j'arrive à faire une marge dessus, bah je ferai comme pour celui-là, je retoperai un autre collector, tout simplement. Pour vous refaire gagner des trucs. Alors attends, il va jumper? Il va jumper sur ma glace. Ah ouais, c'est ça, en fait je suis insensible au pic. Voilà, c'est bon. Ah ouais, mais non, j'avais plus d'anneaux. Un peu curieux, hein, ce... un peu curieux, ce boss. J'ai du mal à... comprendre. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Là, je l'ai touché. Voilà. Là, je l'ai retouché. Merde. Ah, là il s'est éloigné. Ah, j'ai plus d'anneaux. J'ai eu le temps de le toucher trois fois. Il revient ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est que j'ai l'impression. Il s'approche ou pas? Ben non, il campe. Eh ouais. Il campe ses positions. Ouais, un peu curieux quand même ça. Touche-le quand, quand il est en l'air. Ouais. Ah mais oui, c'est ça, c'est quand il jump. Ouais, par en dessous en fait. Mais le truc, c'est que pour les trois premières attaques, il le fait. Ah. Voilà, trois premières attaques, c'est bon. C'est après qu'il se met à faire des trucs chelous. Ah bah non. Ah bah non, c'est bon. Attends. Tac. Faut le toucher combien de fois du coup? Tac. Ça c'est bon. Ah! J'ai récupéré un anneau. On va faire 7 ou 8 fois déjà. Pof. Ah, Christina qui raconte un truc long dans le chat.
Attends, j'arrive. J'arrive pour checker mon crew. Parce qu'après, de toute façon, il peut nous congeler, mais... Eh ouais! Ah, mon anneau, non! J'ai perdu mon anal. Game over! Le premier d'aujourd'hui, il y en aura d'autres, je pense. Sans vouloir faire ma vieille grincheuse, c'est à partir du 4 que j'ai senti que ça allait déchanter. La mode du FPS TPS a fait que le style rétro est devenu obsolète. Quant au 7, c'est une contrefaçon qui finit de la démo Silent Hill. Ah, mais tu parles de Silent Hill! Pseudo maison hantée, jumpscare. Ah oui, oui, d'accord. Ah, bah oui, effectivement, si tu parles de Silent Hill, c'est un autre. C'est un autre débat. Ouais, Pavé César, ouais, on peut le dire. Ouais, ouais, effectivement, ouais, une série qui a été encore une fois bâclée, hein, malheureusement, par notre sacro-saint Konami, qui en a fait des conneries ces dernières années. Hein. Putain. Bon, allez, on va se refaire le niveau. Bon, ce qui est bien, c'est que le niveau est cool. J'aime bien. Press Garden. Pour info, là on en est à peu près à 4h, 4h30 de jeu en tout. À peu près. Alors attends. Toc. Ouf. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, ça. Alors attends. Non, c'est pas ça non plus que je voulais faire. Parce que là, le problème, c'est que... Non, il veut pas. Laisse-moi ressortir! Non, il veut pas. Ah, c'est vrai que entre Castlevania, Silent Hill, MGS... Ah, on peut dire que Konami ils ont vraiment fait de la merde. C'est quand même un niveau de merde assez violent, quoi. Alors attends. Ah. Ah, putain, ça marche pas. Là. Okay, là on jump. Merci à Power Up Cookworm et le loup légendaire. Merci pour le follow les gens. Un plaisir. Bienvenue par chez moi. Espérant que vous vous plaisiez. J'espère. Vous avez trouvé que c'est Ghetto Blaster. Allez, jump! Ah ouais, super! Je suis passé l'étage au-dessus. Ça, c'est bon, ça. Et il y a encore un étage encore au-dessus. Allez, peut-être que Tails peut m'y emmener. Non! Pourquoi il me lâche, ce con? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con? J'ai rarement vu ça. Alors, attends. Mais putain, mais c'est pas possible! Il est où là? Pourquoi il est parti? Oui, c'est bon! Alors attends. Yeah! Super, on est passé par un chemin bien au-dessus. Je crois que là on est comme tout à l'heure en fait. Nice! Ouf.
Ah oui, d'accord. La presse hydraulique. Passer du zombie aux gens parasités qui élèvent des poules, vont à l'église et votent Trump. Le charme des classiques de Resident Evil n'était plus là. Ah mais non, vous parlez de Resident Evil et non pas de Silent Hill. J'ai du mal. Alors. Ok. Ça on est bon. Ça sert à quelque chose ou pas? Ouais. Non. Attends. Est-ce qu'on peut passer? Non, c'est fait pour qu'on soit rééjecté. Tac. J'ai vraiment l'impression de backtracker, c'est ça qui tue. Ouais, donc là du coup, en passant par là. Si, les deux pics, ça je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Tac. Et là, paf. Gros speed-up, voilà. Cette partie-là est quand même assez sympa, il faut le dire. Schlack. Ça sert à rien d'aller en l'air. On redescend. Et là, on va doucement arriver vers la fin. Vers la fin de la première partie du niveau. Et on est bon. Qu'est-ce qu'il fallait faire du coup? Merci Magical Croco pour le resub. Go to go fast. Bah ouais, carrément. Merci à toi, mec. Je me souviens plus comment j'avais fait tout à l'heure. Je crois que j'avais foncé en fait. Il fait quoi? Il se baisse ou pas? Ah non, d'accord, ça lui pète sa scie, d'accord. Ah oui, j'avais pas compris ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais là, trop tard. Attends, il me reste deux anneaux. Ouais, vas-y, on va le bourrer comme ça. Voilà. Oui, de toute façon, c'est ça, en récupérant les anneaux, ça passe plutôt bien, on peut le dire. Le FF, tu parles de quel FF du coup, Christian? Ça parle FF15 là ou bien? Salut à Soch, bienvenue. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce niveau, j'adore. J'adore. Je peux sauter là ou pas? Non, faut pas y aller. Ouais, c'est ça, FF15, ouais. Ah, est-ce qu'on a un nouveau participant pour le concours? Peut-être bien. Alors, Jérémy Minebou pour le concours Sonic Mania, toujours un plaisir de suivre tes lives. Bah écoute, merci à toi Jérémy Minebou. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ton pseudo avant. Un grand merci à toi. Je vais donc te mettre sur la liste. Jérémy Minebou, c'est ça. Et ben voilà, parfait.
Exolmix qui sub. Waouh, 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 waouh. Je sais pas s'il y a eu la digit. Je ne suis pas sûr, malheureusement. 19e mois quand même. Toujours aussi cool tes streams. Des bisous. Ça marche. Merci beaucoup. Et donc, Jérémy Minobou, qui du coup est la 15e personne participant à ce concours. Merci à toi et bonne chance pour le tirage au sort. Et puis, et puis voilà, vive la vie. Allez, continue. On peut jumper là ou pas ? On va essayer tant bien que mal d'aller, non, d'aller toujours en haut, mais ça n'a pas marché, non. C'est vraiment n'importe quoi ce truc. Ah, je pense que là c'est pareil, j'aurais pu passer en haut. Mais alors du coup ma question c'est quand tu botagues au fast Sonic dans l'absolu. Ah merde. Ah si c'est bon. Ah oui d'accord, j'ai rebondi sur le truc. Merde. Nul. Nul. Est-ce que Ah c'était toi oui Rémi. C'est ton vrai Blast qui est apparu. Merde. Désolé. C'est pas vrai ça. En fait, à partir du moment où on jump sur un glaçon, on peut plus se déplacer à gauche ou à droite. C'est vraiment bizarre cette histoire. Ouais, donc je disais, quand tu speedrun ce jeu, en fait, il faut toujours prendre d'une manière générale les passages du haut ou pas forcément. Pourquoi je demande à Retro Magnézone hein. Quel seul français que je connais finalement hein. Ah putain, mais c'est pas possible. À speedrunner. Attends, il y a quoi là? C'était des jumpers. Mais éphémères. Oh, je suis pas passé par là tout à l'heure. Ah ah. What? Mais. Ah, l'espèce de pivert là, c'est bizarre. Non, je voulais pas redescendre. Oh là là, mais quelle merde. Merde. Du coup, je déclenche, voilà, le bumper. Est-ce que je peux repasser par le... Oui. Heureusement, il y a un jumper qui passait par là. C'est quoi? C'est une plateforme qui tire. Très bien. Quoi, c'est tout? Attends, par où je passe? Ah si, c'est là, d'accord. Jump. Ok. Oh putain, il est fou ce niveau. Pour l'instant, c'est mon niveau préféré, quoi. Fuck.
Nice! Putain, speedrun, mec! Mec, je viens de te le speedrunner, le boss, quoi! Ah, c'est bon, ça! Putain, mais vous avez vu la vitesse à laquelle je l'ai buté? Ah, c'est bon! Ça, c'est vraiment bon! T'en fais pas pour moi, fini à la piste des bois. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai peur pour toi que tu sois perdant, te, s'il te plaît. Merci pour l'accord. Au final, vu le nombre de participants. Non, non, t'en fais pas, t'en fais pas. Si je l'ai pris, c'est que j'en avais le nombre. Tant que c'est à peu près remboursé, c'est pas grave. Surtout qu'il y a des personnes qui ont donné 10 et non pas, juste 5. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette boule au-dessus de moi là? Le niveau de la jungle dans le premier. Dans le premier Sonic sur Game Gear, il était culte. C'était vraiment mon niveau préféré de tous les temps. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Je sais pas ce que c'est. Merci à toi, Lord Crowser. Merci pour le follow. Décidément, je pense qu'il y aura de nouveaux participants. Bah, peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, même s'il y a. Après, c'est surtout bien pour vous, quoi. Je veux dire. Là, il y a quoi? Il y a une chance sur 15 de gagner. Ça va, quoi. Même le Persona, c'était combien? Il y avait quoi? Il y avait un peu moins de 40 participants, il me semble. Oui, d'accord. What? Oh shit. J'espère que vous venez d'apprécier le 60 FPS sur mon stream. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci June pour le follow. Allez, vas-y, on retente. Salut Nono. Alors, attends. Oh, j'y arrive jamais, putain. J'y arrive jamais, c'est impossible. Impossible. What? Putain, c'est la foire au bumper, mec. Deux bumpers pris, un troisième offert dans ta gueule. Ah. Ah. Alors. What? Ah, c'est bon. Putain. Tellement speed. Et je tombe sur le niveau bonus direct. Ah bah oui, bah non. Ah là, ça passe pas. Ah oui, mais non. Alors, attends. On passe par en haut ou pas? Pas sûr. Si je fais peut-être... Non, je vais passer par là. Attends. Non. Par la droite. Là par la gauche. Là on est bon. Ok. La foire au bumper. Vous êtes toujours demandé où c'était. Si c'est à lui à Rungis ou à Trifouille les voix. Oh la vache. Oh putain. Oh putain, ça va vite.
Ah, ça marche pas. Avec la petite musique qui devient jazzy juste après. Attends, franchement, une petite spin. J'ai l'impression de revenir en arrière et de repartir et tout. Mais quel bordel ce niveau! Quel bordel! C'était trop cool! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Prince of Persia, c'est ça? Aladdin? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? What? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh merde! C'était hostile, l'Adrion! Ah si, voilà, d'accord! Poc! D'accord. Ah oui, d'accord. En fait, faut lui sauter dessus quand on peut, quoi. Poc. Voilà. Save the animals. Au moins un. Poc. Un animal sans plus. Salut Asketel, c'est ça? Merci pour le follow, mec. Le gigarillon dans la gueule. Ouais, c'est pas si dur que ça. Ah merde! C'était pas intelligent. Voilà. Le double rayon. On lui saute dessus. Ça, ouais, à mon avis, c'est un peu speed pour aller sur les deux. Ah, j'ai peut-être le temps de les buter tous les deux. Pas sûr, faudrait que je reteste après. C'est lui l'Art Green. Si, c'est bon. Bah ça va, il était pas trop dur. Schlack. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Stardust Speedway Zone 2. Ok. Oh putain. Attends, parce que là, moi j'ai remarqué où on pouvait passer. Nice! Oh putain! Oh là là! Oh shit! Mais comment tu veux tout explorer? C'est trop dur! Là, il y a un hostile. Salut ISO35! Putain! Je suis sur un bord de pixels. Ah non, là je suis même plus du tout dessus. What? Putain, fuck. Il y a de plus en plus d'ennemis kamikazes dans le jeu. Oh putain. Ah oh, c'est bon.
Cette vitesse. Salut Hunter Hunter. J'espère que ça va. Alors attends. Merde. Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Ah putain. Ça rime à rien. What, what, what? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as essayé de le finir en une minute? Tu dois bourrer, hein. C'est qui ça? Je suis censé me battre contre lui ou juste me barrer? Wout! Je crois qu'il cherche les embrouilles. Non, j'arrive pas à le toucher. What? Ah oui, d'accord, c'est ça, il fallait continuer. Metal Sonic, ah ouais, c'est lui. Ah oui, d'accord. Ouais, en fait, il faut que je le renvoie dans la gueule. C'est ça. Non, là, c'est pas bon. Si, ça fait un double rebond. Pas sûr que ça passe. Attends, on va réessayer. Ah, presque. Perdu. Non, c'est bon. Hop. Allez, jump! Ah, il refuse de jumper. Si, c'est bon. Petit rebond. Ils sont cool, les boss, quand même. Oh, putain. What, 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 what? J'essaye au moins de récupérer un anneau à chaque fois. On va arriver jusqu'en haut de la tour. La tour Montparnasse infernale, c'est celle-ci. Ah oui, d'accord, c'est une gigantesque statue d'Eggman. Ok. Bon, j'ai 4 vies en stock. Qu'est-ce que je fais? Mais je vais mourir très vite. Cette histoire va mal se passer. Hashtag ça tourne mal. Ah oui, d'accord. J'ai un... D'accord, j'ai juste un anneau en stock. En fait, c'est quoi? Faut que je continue à gauche à gauche et que je fais en sorte de l'éviter. Ah oui, d'accord. Nose. Je crois que c'est Tails qui a récupéré pour moi le... Qui a récupéré pour moi l'anneau. Ah, merde. Allez, avance! Ah bah ouais, mais non! Ah. J'imaginais qu'on pouvait peut-être lui sauter dessus, mais j'ai peur que les piques... Merde! Ah, je fais de la merde.
Ah là là! Parce qu'à part profiter des moments où il est pas en furie, merde. Genre pas là. Ah bah ouais. Ouais, là j'ai eu un petit moment de doute là. Ouais, faut qu'on fasse cette partie là. Ah oui, d'accord. C'était caché d'aller à la première partie. Ouais, on l'entend quand même arriver. Ok. Merde. Putain, il fait pas de boule là. Si, peut-être, non. Ça faillit. Fuck. Première boule. Et j'ai perdu mon anneau, non! Quelle déception. Ouais. Je pense que là, ça va être dur. Ça va être très très dur de le passer. Parce qu'à chaque fois, il faut se refaire la course. En fait, la première partie de la course, c'est juste pour voir si en gros, on arrive au bout tout en ayant... tout en gardant nos anneaux, en fait. Putain, c'est pas possible. C'est ça qu'il faut prendre. On va pas tenter de boucher. Ok, on leur fait, on y croit. On y croit un max. Salut Askiel. Ouais, je crois que c'était Ace qui l'a buté. Ah non! Je lui ai freiné sa course. Ok. À chaque fois, c'est Tails en fait qui arrive à le. Non, je l'ai encore perdu. J'hallucine, j'ai perdu mon anneau. Est-ce qu'il va m'ordonner? Vraiment pas sûr. Si! Il m'ordonne quelques-uns. Il a pitié en moi. Est-ce que ça va suffire? Je doute. Le doute m'habite. Là, ça sert à rien d'essayer de buter, il faut juste que je monte le plus vite possible en haut de la tour pour pouvoir activer la dernière séquence. On go. Et on y va. Allez, on y croit. On y croit, bordel. Tu crois en moi, Askiel? Yann, salut.
Ah, toi, t'as stop le jeu? Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, ok, ok, ok. Ouais, ouais, c'est bon, je commence à comprendre ce qu'il faut faire, mais... Ah ouais, d'accord. Enfin, heureusement, il me refile des anneaux de temps en temps. En fait, les pics vont pas si vite que ça. Allez. C'est bon. Voilà, là, il avance. Il est où? Il est où? Je pense que ça sert à rien que je m'efforce à aller le plus vite possible. Merde! Ouais, c'est ça, en fait, c'est une boucle. Tac. Ok. À mon avis, il faut encore que je le touche au moins une ou deux fois. Peut-être que... Si, c'est bon. Et du coup, il a fait péter les pics. Super. Nice! Thanks, my fucking girl! Allez, c'est bon. Et c'est grâce à Tails que je libère les animaux. Save the animals! Oh my fucking god! Nice! Ah, j'ai eu peur que ça me... J'ai eu peur de rester je ne sais combien de temps dessus. Ah, quelle satisfaction! Quelle satisfaction! Salut à Simo Bouzide qui a followé Elmas Gourine, c'est ça? Yacine Ind... Sudiste et Sunio. Merci à vous pour les follow, les gens. Un plaisir. Un plaisir, loulou. Salut à Po123 également. Il y a un air psyché, ouais. Bon. Et ben voilà. Sur cette mini pause, on va continuer. Et on est reparti. Alors. Oh non, putain, les niveaux aquatiques. Oh non. AK, les niveaux les plus chiants au monde. Non, c'est bon, on peut sortir. Alors. Dame, tu es satisfait. Je suis satisfaite, oui. Putain, essayez de faire un effort, bordel, les mecs. Essayez de faire un effort. Je sais que je suis quelqu'un d'extrêmement viril, hein, ça se voit tout de suite à ma gueule. Mais essayez de faire un effort, d'accord, quoi. Putain, un peu chier. Je suis donc satisfaite, oui, effectivement, on peut le dire. Ah, je vais attendre qu'une autre bulle arrive. Tu me vois pas? Ben si, je t'ai vu. Ah mais non, mais ça c'est la bulle de l'infini. Ça c'est la bulle de l'infini et de l'au-delà. Alors attends. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle a toujours des pics. Bah oui, forcément. Dans un donjon sous-marin où il faut absolument pas qu'on prise notre bulle, forcément il y a des pics. Sinon c'est pas très drôle. Ça c'est quoi? Ok. Ah non, mais là, je vais mourir! Non, c'est bon. Non? Non, c'est bon. Le bouclier bleu, bah ouais, ouais, complètement. Hein. Ce qui n'était pas toujours le cas. Tiens, c'est le locutus. Hein. Ce qui n'était pas toujours le cas dans les vieux... dans les vieux Sonic. Hein. Je me souviens de niveau aquatique où, bah ouais, concrètement, tu te démerdes. Hein. What? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Alors attends. On va essayer d'y retourner. Ah, fuck. Ok, ça. Ah, fuck! Ah, puis alors, on retombe vénère. Hein. On retombe vraiment vénère. Mais je comprends pas pourquoi il n'arrive pas à redescendre. On va essayer de passer par là peut-être.
Je suis sûre que j'aurais pu passer par en haut, mais je sais pas pourquoi. Attends, là, il y a un crochet qui est bleu. À mon avis, il y a un truc à faire. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça. Alors. Une jump ici, non, ça marche pas. Plus d'élan. Allez, un petit peu de jump quand même. Il est pas 100% aquatique. Hein. Qui c'est que cette bulle? Ça sert à rien cette bulle. Alors. Ça c'est quoi? Ah non, ça va remettre de l'eau! Ah 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 ah! J'aurais jamais dû l'appuyer, non! Ah bah ouais, forcément! Forcément! Oh putain! Oh non! C'est bon! Non mais le problème avec les histoires de d'accord, si tu veux, d'accord et de genre. C'est que y a plein de gens qui parlent très mal français. Il y a tout simplement plein de gens qui s'en foutent, qui ont pas envie de se prendre la tête. Et du coup, c'est compliqué à chaque fois de reprocher ou pas à quelqu'un de faire la faute, tu vois. Parce que ça pourrait très bien être des gens qui, tout simplement, ont du mal avec ça. Moi, des gens, des potes à moi qui sont français, qui sont censés parler français. Et qui sont soit dyslexiques, soit ont jamais fait d'efforts ou s'en foutent, il y en a plein, tu vois. Donc je le prends pas contre moi, si tu veux. L'époque où les gens faisaient exprès pour m'emmerder, parce qu'ils pensaient que ça m'emmerdait, normalement elle est à peu près résolue, tu vois. À peu près terminée cette période-là. Mais il y a toujours des fois des gens qui espèrent, tu vois, être méchants comme ça. Et les mecs, ils sont déçus quand ils se rendent compte que j'en ai rien à foutre, quoi. Allez, on essaie de passer... Oui, c'est bon. C'est quoi? Ah oui, d'accord. D'accord. Ok, je vais prendre... Après, c'est pas tant pour moi, c'est plus... Enfin, c'est également pour vous, tu vois, que je le dis, tu vois. Si, passé je ne sais quel âge, tu continues à faire ce genre d'erreur... Je suis vraiment une merde là-dessus. Ouais, mais pendant des années, je prenais le temps d'essayer de dire et tout aux gens, mais... C'est tenter d'expliquer un bécherel à un porc, quoi, tu vois, au bout d'un moment... Entre les gens qui veulent pas faire d'efforts, entre les gens qui s'en foutent, entre les gens qui... s'ils pouvaient m'emmerder un peu, ils aimeraient bien, tu vois. Plus les gens qui essayent, tu vois. Et c'est ça le truc qui est marrant, c'est que t'as les gens qui, entre guillemets, essayent. Essayent pour voir comment je réagis, tu vois. Et bah t'as envie de leur dire, mais tant qu'à essayer l'un des deux, regarde un peu la gueule que j'ai et normalement ça coulera de sens, tu vois. J'ai jamais essayé de mener une croisade contre ça, contrairement à d'autres gens sur internet. Après, c'est juste que je pense qu'il y a un minimum de logique, tu vois. Après, c'est pas grave. Encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. On va pas chouiner à cause de si peu, quoi. Ça, c'est quoi? Ouais, mais du coup, quand je suis dans cette bulle, il n'y a pas de souci en fait. Ouais, c'est ça. Quand je suis dans cette bulle, il n'y a pas de souci. Donc en fait. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup moins dur que certains autres niveaux aquatiques qu'il y a pu avoir dans des vieux Sonic. Alors, ça marche
pas? Non. Where the fuck am I supposed to go? Mais je suis prise au piège! Putain, je suis complètement prise au piège! Je peux plus rien faire, non! Quelle humiliation, j'hallucine! Je peux plus rien faire. Putain, il y a des pièges! J'hallucine, il y a des cul-de-sac! Non, le dash à gauche, ça n'a pas fonctionné. Non, non, j'ai essayé à gauche et à droite, ça fonctionnait pas. Putain, ah ouais. Ah ouais, les mecs qui se mettent bien, quoi. Ah, attends, il est où le John? Ah oui, d'accord. Johnny le crabe là, ça va bien ou quoi? Ah le mec! Ah lui non plus, il a pas de respect. Ouais, en fait c'est ça, pour aller plus vite on peut sortir de sa bulle, ne serait-ce que pour faire les virages. Il faut être sûr de... Ah la vache, ah oui d'accord. Dans la bulle, on enlève même les trucs. Attends, là à droite, il y avait un mec là. Il y a un mec là, c'est qui? Attends. Ah oui d'accord, ouais, bah là ça marche. Ok. Bon, niveau bonus, je laisse tomber parce que... Ah ouais, Tails, il peut respirer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il laisse? Des petits œufs. Ah non, c'est des bons. Ah merde! Ah oui, d'accord! Ah ouais, ok! Le mur tombait, en fait. Et c'est le game over. C'est le game over, et du coup, il va falloir recommencer tout ce niveau. Putain, c'est ça qui est relou, c'est de recommencer le groupe entier de niveau, quoi. Ouais, à plus, Christina, merci d'être passée, carrément! Passe quand tu veux, tout va bien. Bon. On retente, hein. On retente tout de suite ou on fait une pause? Combien de temps de VOD là? 1h20. Ouais, vas-y, on continue. On n'est pas des police department. Alors. Il y avait un bulle sur la gauche, hein, je crois. Il me semble. Ouais, c'est ça. Toc, toc. Ah oui, d'accord! Ah ouais, on
peut faire des coups de boule comme ça en fait. Oh attends, je suis pas passé par là tout à l'heure. Ah si, j'avais pas l'impression d'avoir pris la rampe et d'aller aussi haut par contre, c'est ça qui est curieux. On se calme. Ok, le jump, les hélicos. Oh ouais, mais en fait cette bulle là elle est craquée quoi. On peut filer des coups vers le bas. Oh, y'a-t-elle ce qui est mouru? Ah mais non, c'est bon, il revient. Ah d'accord! Il faut sauter avant d'arriver au bout. Ok, c'est bon. J'ai compris l'énigme de ma vie. Alors là, du coup, j'arrive à un checkpoint que je n'ai pas pris tout à l'heure. Ah, intéressant. Baisse ça, ah ouais, mais non! Putain, mais j'hallucine! Comment j'aurais pu faire? C'était une idée à la con, ça. J'en ai souvent dans la vie, hein, malheureusement. Mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression de passer là. Mais si, avec les bulles dans le... Les bulles qu'il y avait directement. Ah! Malaise TV! Non mais ça c'est des trolls ça. Ça c'est des trolls, il faut pas répondre. Ça c'est justement des gens qui savent que j'en ai rien à foutre. Alors attends. On va y aller. Non. On va y aller ou pas? Se calme. Salut à toi Zinus, merci pour le follow. Putain, mais pourquoi j'arrive pas à passer de l'autre côté? C'est merdique cette histoire. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? On peut pas marcher sur cette plateforme là? Ah d'accord. C'était le coup du crochet vert. Ok, c'est bon. Jump. Oh putain. Même endroit que tout à l'heure. J'hallucine. Le mec, lui, c'est un tank qui t'envoie une roquette, quoi. Mais sans déconner. Attends. Ah. Laisse-moi prendre ma respiration. Ah non, ça marche pas. Ta-da. Ok. On va essayer de s'en sortir dans la vie. C'est pas très facile, mais on y croit à mort. Je suis passé là tout à l'heure. J'ai même pas son micro. Ah oui, c'est ça, ouais. Là, je vais retomber, voilà, dans ma bulle. Alors, attends, par où? Par là? Ouais, non, si? Putain, quelle humiliation! Quelle humiliation, les mecs! Bulle d'oxygène? Ouais, on est bon. Grosse bulle. Ouais, en fait, on n'est pas obligé d'avoir d'accélération pour passer. Par contre, non. Ah putain, le coup à chaque fois de tomber à l'infini. Comme s'il y avait mystérieusement, il y avait plus d'eau, tu sais.
Non, mais en fait, il y avait de l'eau, mais en fait, non, il n'y en a plus. Juste pour vous faire galérer et tomber jusqu'en bas. Allez, c'est cadeau de la maison. On peut aller en haut, là, ou pas? Oui. Oui. Ah, merde. Ok, alors, attends, il faut que je retourne en haut. Le petit ennemi de merde qui te fait passer. Ouais, c'est tout à l'heure que je suis passé là, j'en souviens. Putain, c'est labyrinthe 2D de ouf. Oui, bonjour. Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai, surtout que les vrais hérissons, ça sait nager normalement. Comme ça, ouais. Bon, est-ce que ce niveau a une fin à un moment ou c'est pas prévu? Parce que là, j'ai pas l'impression de traîner en fait, hein, depuis tout à l'heure. Et je suis déjà presque 7 minutes. C'est absurde. La bulle du ghetto, voilà, qui s'éclate en plus. On peut dire que c'est une belle métaphore de l'économie française, hein. La bulle qui éclate comme ça. Voilà. La route est pleine d'embûches. La route est dure, elle est sinueuse, la route est pleine d'embûches. Alors des fois je trébuche, mais vaille de vaille, je vais de l'avant. Arsenic trace la route, lâche pas ton plan. Voilà. Allez, on retourne à l'endroit de tout à l'heure. Petite bulle. Cette fois, on va essayer de se dépêcher. Alors. Allez, laisse-moi grimper vite. Je suis à combien là? Putain. Mais putain, pourquoi ça marche pas? Ah bah non, c'est la fin. Putain, j'hallucine. J'hallucine, bordel. Pourquoi je n'arrive pas à monter ce truc? Arrête, arrête. Par pitié, fous-moi un temps de chargement, laisse-moi faire une pause. Oh, c'est incroyable cette histoire. Ah, j'étais sûr de mon coup. Et puis pourquoi cette pause est si silencieuse? Il pourrait mettre une petite musique de fond, je sais pas. Oh là 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 là. Je m'en vais m'étirer la colonne vertébrale, bordel. Ah. Je te jure que s'il y avait un micro dans la colonne vertébrale, vous entendriez à quel point ça craque. Vous auriez très mal au dos à ma place. Infernal. Infernal. N'oubliez pas de faire des dons surtout. Comme ça après j'irai m'acheter du crack. Je ferai des soirées de coke avec Mister MV à Paris. Ah putain. Ah putain. Niquez bien vos mères à tous, niquez bien vos mères. Si vous ne voulez pas, je vous emmène à la fistinière. Oh putain! Ok. Alors. Donc. On disait. Oui, voilà, Sonic, un jeu très intéressant. Ah, c'est bon, au moins on reprend là.
Bon, j'ai encore deux essais. Deux essais, pas plus. Si je me plante, je suis mal barré. Tails est mort. Mais il réapparaît car il croit en pouvoir de l'amitié. Pas comme moi. Voilà, pourquoi là c'est passé? Pourquoi tout à l'heure c'est pas passé? Je ne sais pas. Par où je dois passer maintenant? Ok. C'est quoi ça? What? Salut Sophie Cut. Merci pour le follow. Qu'est-ce que... Comment il marche ce truc? What? Ah oui d'accord, il faut que je récupère la bombe. Ah non, ça marche pas. J'ai perdu mes... Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Alors attends. Je suis mort très fort. Putain. Alors. Non mais Sonic Mania, un jeu très intéressant. N'oublions pas que la vraie difficulté, elle n'est pas là. Elle n'est ni là-dedans, ni dans Dark Souls, ni dans Crash Bandicoot. La vraie difficulté, elle est dans... Super Meat Boy, notamment la cotonne à lait, mais pas que. Pas que. Paquito, Pepito, Oustichoc, BN, Papy Brossard et autres joyeusetés. Hein. Ok. Ah oui d'accord, il faut que je l'aspire que lui et non pas les bombes. Ah ouais, Paris sous les bombes, j'irai me cracher sur vos bombes. Ok. Donc là je l'ai touché là. Là il a eu mal au cul ou pas? Ah ben non, là ça va être une bombe. À mon avis, je le lâche trop tôt. C'est bon, là. C'est bon. Tu l'as fait, mon chien. Oui, Milou, c'est bien. Grâce à toi, nous allons pouvoir trouver les bijoux de la Castafiore et ainsi les revendre pour aller aux putes. Oh, oh merde, c'était que la partie 1. Oh la vache. Oh putain, allez, la partie 2. Oh là là, mon bon Milou. Nous voilà pas tirés d'affaire. Demandons au capitaine Haddock ce qu'il en pense. Allez. Allez, je sens que cette histoire va mal se passer. Hashtag ça tourne mal. Dans les tunnels, ça tourne mal. Dans les tournantes, ça tourne mal. Et mon vélo, il tourne mal. Ibra TV, il tourne mal. Pascal Obispo, il tourne mal. Y a qui d'autre? Freddie Mercury, il a mal tourné, lui, pas pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas.
Ah ouais, bah ça me fait une belle jambe, ça. Qu'est-ce que c'est que cette main? C'est la main du diable? Ah mais je vais mourir très vite! Non! Mais il n'y a pas de bulle! Si, il y en avait là! Je l'ai loupé! Oh là là! Non mais la fin avec les émeraudes, je la ferai pas. Non mais ça va pas bien ou bien? Oh là là! Je suis sadomaso, mais pas à ce point-là, quoi. Putain, game over, il va falloir tout se refaire! Ah! Oh, oh, quelle merde! Quelle merde en chiotte! Ah, attends, on va aller retrouver la... On va aller retrouver quand même la bulle du plaisir, celle qui était juste là. Bon, écoutez, j'espère qu'au moins vous appréciez ce live, hein, parce que là, je vous préviens, ça va être long. Ça va être très 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 long. Odaisu qui participe au concours ou pas? Attends, je mets en pause, sinon je vais me faire pounaide avec le temps. Odaisu, merci à toi. Alors attends, pourquoi ça marche pas? Si! Je continue à te soutenir, Demu, des bisous, c'est gentil à toi. Alors du coup, Daisu, est-ce que tu veux participer au concours ou pas? Tu n'as pas précisé dans ton dans la follow alerte. Il faut que tu me précises si tu ne veux pas, parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent complètement. Si tu ne précises pas, je considérerais que tu t'en fous toi aussi. Ce n'est pas impossible. Alors... Oh putain, va falloir tout se refaire, j'hallucine. Oh là là, oh là là, ça va être cool. Je suis passé par là tout à l'heure ou pas? Passer par là tout à l'heure. Là, on passe par le haut. Maintenant que je sais ça, c'est toujours mieux que si c'était pire. Non, non, non! Laisse-moi aller dans les hauteurs de la profondeur, de l'enfer, de mes couilles. Pourquoi pas? Allez, ça marche. Du coup, Odaisu, je te mets dans le concours Odaisu 03. Et donc, Odaisu qui est le 16e participant à ce concours. Oh, ça va, hein. Une chance sur 16 de gagner, c'est pas encore trop merdique. Ça va encore. Et merci à Shamtoudouz et Ayoub et Pazzo Ashraf. Ainsi que Gizmo Tyran, qui ont followé très récemment. Merci à vous. Alors, j'espère que vous passez un bon temps. Voilà, on s'amuse bien. Hein. À quoi me servait ce truc? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! It's a secret passage. Alors, attends. Jump, jump. Everybody say, jump, jump. Non, je me revoilà dans l'ose. Je pense qu'on a pris un bon petit passage secret. Je pense que là, on a pris un bon petit passage. Pourquoi ça passe pas? J'en ai marre. Non. Oui. Allez, saute plus vite que ça. Ça nique. Ça nique ta mère. Ouais, des balls. Alors, 2 minutes 41, on est bon. Alors, attends. Si, c'est bon, on est dedans. Putain, c'était ça qu'il fallait faire. Donc, en fait, on peut cumuler les deux boules. Je savais pas ça, tu vois. Ta-da. Alors, là je bourre pas.
Ok. Le petit ennemi qui arrive nonchalamment dans le but de m'éclater la race. On a déjà vu plus cordial. Hein. On a déjà vu du lime cordial. Très bon dans certains cocktails. De par son acidité assez fraîche. On avait déjà vu les Monsieur Loyal aussi, qui est encore quelqu'un d'autre. Putain, ce niveau qui n'en finit pas. Ce niveau qui n'en finit pas. Qui est beaucoup trop long. Un peu comme... mes mitres. C'était quoi la blague avec la... Avec la grosse mythe. C'est une blague comme ça, je me souviens plus. Ah si, avec le mec dans la rue là. Oh putain. Ah oh, les blagues de bouffe. Ah attends, je me souviens de la chute, je me souviens plus de la blague en fait. Je peux passer là ou pas? Non, il me faut une bulle. Ok. Ta-da. Ah oui, attends, là on tombe. Oui, c'est ça. Le mec qui se trimballe avec un billard alors qu'il avait demandé un milliard. Et du coup, il y a l'autre qui fait bah, « Pourquoi vous croyez que moi, je me trimballe une grosse mythe ?» Ah oui, c'est très bon, ça. Très bon, très bon, très bon. Oh, enfin, moi, ça me fait. Allez. C'est bon, on y est, là. 5 minutes. On est pas mal. Salut, Nodoka Mouvement. Nodoka tout pour. Nodoka, prends des cookies. Prenons un café. On peut passer ou pas, là? Mais non, je vais mourir. Non, c'est bon, il y a une bulle. C'est bon enfant. Oh bah oui, non mais attends, hey. On est sur Dame Dame Live. C'est toujours bon enfant ici. Merde, j'ai zéro anneau, si c'est bon. Allez, vas-y, on se le refait, mec. Voilà, en fait, faut vraiment que je prenne de l'avance par rapport à lui. Voilà. Là, le temps que j'aspire, il n'a pas le temps de remettre sa boule. Là, on doit être bon au niveau du timing. Magnifique, magnifique. Speedrunné. T'as regardé comment je l'ai torché, là. Bien, bien, bien. C'est bon, ça. Salut à Ahmed qui a beaucoup trop de chiffres derrière son prénom. Ahmed, pourquoi as-tu autant de chiffres? Incroyable, ça. Alors. Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Ça. Voilà, super. Ça, donc là, je suis sur le passage, à mon avis, le plus haut qu'on puisse avoir. Pour l'instant, dans ce level... Oh shit! Ah oui, attends. Là, on va essayer de. Voilà! Ça qu'on veut! Ah non, ça, c'était pas ça qu'on voulait. Là, je vais redescendre. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais si ça se trouve, c'est possible de faire le niveau sans même passer du tout dans l'eau, en fait. Hein. Ça m'étonnerait même pas, en fait. Par contre, là, niveau oxygène, je suis un peu borderline. S'il pouvait y en avoir, ça m'arrangerait.
toi. Ça coûte déjà mieux que tout à l'heure. Ouais, ok. Le toboggan Aqualand. Ça, c'est trop juste. Ah là 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 là. Alors, attends. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On réessaye. Ah oui, voilà, c'est à ça que sert la main, en fait. Ok. Checkpoint me dit que je suis en bonne phase. Les Français sont des veaux. Qu'est-ce que tu racontes, Fabripota? Qui es-tu, d'ailleurs, Fabripota? J'ai pas le souvenir d'avoir vu ton pseudo avant. Enfin, à part hier. Mais tu as pourtant l'air de très bien connaître les us et coutumes de ce stream. Encore un ancien pseudo. Les us et coutumes. Toi aussi, stream... stream comme si t'étais en 1980. Qu'est-ce que je raconte? 60 même. Alors ok, donc là on a bien avancé. Ouais. Ça, c'était moins nice. Le niveau de la glace, c'est Holiday on Ice. Merci, merci. Undertale, c'est la Nice Scream. Les attentats de l'année dernière, c'était un Nice. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne me suis pas pris une glace à l'italienne. Ça me fait penser. Scanis, il y en a plein, en fait. J'adore cette fille. Ah putain, c'était quand même merdique, ça, les attentats de Nice. Pour les avoir vécus, je peux vous garantir que c'était merdique. Alors, on jump. Ah, n'empêche, ce burger là que je me suis fait hier, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bon. Je l'ai posté tout à l'heure hein, sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez checké. C'est le burger que je me suis fait hier soir avec ma meuf. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est régalé, nom de ça. Nom de Zeus, j'allais dire. On n'est pas dans retour vers le turfu. Merci pour le follow, Automanis. Quoi? What? C'est Eggman, ça? Ah ouais, d'accord. Waouh. Oh, shit. D'accord. Ouais, d'accord, ok. C'est astucieux. Ok, il se l'est prise. Hashtag ça va vite. Interesting. Salut Ralouf! Comment vas-tu? Oh, et c'est la mort! C'est la mort quand Ralouf arrive. Oh là 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 là. Comment vas-tu, Ralouf? Toi qui es amateur de rétro, si je me trompe pas. Est-ce que tu y as touché à ce Sonic Maniacs? Ce Sonic. Ouais, double boule dans la gueule. Ouf. Troisième coup. Quatrième coup. Ah, j'ai perdu mes anneaux. J'ai perdu mes anneaux. Et ma dignité, tant qu'à faire. Je fasse gaffe au pic. Ah, peut-être que c'est bon. Peut-être que c'est bon. Merde! Qu'est-ce que je dois faire?
Qu'est-ce que je dois faire, putain? Je sais pas quoi faire. What? Parce que là, il me fout dans sa machine à laver, mais moi, je peux rien faire. Oh là là. Si, là, je l'ai touché trois fois. C'est déjà ça. Three times touched. And every time I touched. Et ben voilà, Sonic Go Through Acte 2 fini. Ah putain, ça a été compliqué quand même, hein. Ça a été un peu compliqué. Alors, putain, qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Waouh, 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 waouh. Comme dit Crash Bandicoot. Waouh, 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 waouh. Alors attends, Tails me suit en tous les cas ou est-ce que je peux tomber? Ah non, il me suit en tous les cas, ok, d'accord. Ok, 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 ok. On se calme, les mecs. On va se calmer, je vous jure que ça va bien se passer. Sauf si ça se passe mal. C'est très joli, hein, ces petits décors de macramé derrière. Hein. J'en parlerai à ma mémé pour qu'elle m'en fasse une broderie. Enfin, j'irai au cimetière, hein, du coup, mais je pense que j'ai toutes mes chances pour qu'elle me fasse une broderie. Sonic. Ça sera sympa aussi en termes de jeu de plateforme old school. Quand je toperai ma SNES Mini, ça sera super sympa de se refaire Super Mario World. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Je l'avais fait à l'époque, quoi, quand il était sorti. Ah. Mais. À mon avis, je vais rager aussi parce que. Mais je suis où là? Il est où? Putain. What? On est dans Parodius ou bien? Regardez-moi Eggman avec son chouchou. Ah ouais, d'accord, et là c'est tout le niveau qui défile devant moi que je m'apprête à faire. D'accord. Oh nice. Attends, comment je fais pour aller en bas là? Salut Picanwheel. Poc. Comment ça marche ça? Ok. Donc à droite. Ah, il est chouette ce niveau. Il est chouette. Oh là là, ouais, d'accord, c'est un gros flingue ça. Ah, c'est bon ça. Waouh, quelle mise en scène! Quelle mise en scène! Je peux lui sauter dessus ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Boss? Waouh, 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 waouh! 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 Ok, alors on a Joe le vert. Le vert de terre rose. Qu'est-ce que je suis censé faire avec lui? Peut-être qu'il veut juste jouer à la belote? Ok, c'était pas ça qu'il fallait faire. Merde. Je fais quoi? Je lui saute sur la tête ou mmh.
j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Mirage Saloon. Putain, il est cool ce niveau. J'ai pas trop réussi à comprendre. Putain, le boost en forme de flingue là, il est juste. Il est priceless. Bah ouais, vise la tête, mais pas si facile quoi, comme tiens qui a un fil. Poc. Je sais pas si. Ah oui, bah là ça a marché, je crois. Même bizarre. Poc. Poc. Ouais, c'est ça en fait, faut juste lui faire un petit poc par en dessous. Poc. Et c'est très important de le dire IRL, hein, sinon ça marche pas. Poc. Vous aussi chez vous, dites. Poc. Ah. Merde. Ouais, c'est bon. Ouais, en fait, ça va, c'était pas compliqué en soi. Mirage Saloon. Toute beauté ce niveau. Ah, le niveau était court, mais vraiment sympa, quoi. Poc. What? Ah oui, d'accord, et là, on est dans les dunes. Il y a quand même vachement d'environnement très varié, quoi. Tous les clichés. Attends, il y a quoi sur le Wanted? C'est quoi ce personnage? Ah oui, d'accord. Il y a des bumpers, bien sûr. Ça me redonne tellement envie de jouer au... Putain, regardez-moi ça. Le truc de Shaker. Ça me redonne envie, en fait, de jouer au vieux Sonic. Alors attends, je fais quoi? Je passe par là. C'est Knack la belette? Ça vient de quoi ça alors, Knack? C'est un jeu de Sega ou c'est... Wow. C'est chouette. Un petit coup de pinball, bien sûr. Sonic the Fighters. Ah. Que je ne connais pas. Là. Sonic the Fighters. Mais c'est quoi ce jeu? Ah oui, d'accord, ça c'était un... Mais il est magique ce niveau, sans déconner. Ah, il était exceptionnel ce niveau. Un jeu Game Gear, Sonic Fighters. Ah putain, voyons. Pourtant Game Gear, j'avais pas mal de jeux dessus, mais... Ah mais alors, ah oui, ah, du coup c'est lui. Ah. Bon, on fait quoi? On lui bourre la gueule, simplement? Oh shit! Combien de fois faut le toucher? Fuck!
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transformer? On dit Game Gear, pas Game Gear. Ah! Donc ça veut dire que tu dis Richard Gear. Moi je suis désolé, hein, Richard Gear, il s'appelle Richard Gear. Hein, donc, évidemment. Et du coup, ça veut dire que tu vas appeler la police de la prononciation. Ah, il va faire les trois persos du jeu en fait, c'est ça. Ouais. What, what? Ah oh, putain, ah oui, d'accord. Il m'a fait tomber les ventilos plafonniers. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Quand il est en robot, on peut lui sauter dessus. Ah, bah là, écoutez. C'est avec grand plaisir que je refais ce niveau. Il est très très cool. Tu les appelles en ce moment même? Ah, mais merde alors. Hein. Me voilà bien mal en point. Me voilà cerné par les ennuis. Alors. Ah, lui, il en démord pas. Ah, eux non plus. Poc. Ah oh, mais c'est pas possible. Ah bah dites tout. Ah mais qu'est-ce que vous faites? Par contre des fois on sort de l'écran pendant longtemps. C'est légèrement flippant.com. Oh! Ah! Oh ah! Ouais, bonne nuit avec l'amour, merci de passer. Combien il me reste de vie? 2. Poc. On peut passer par en dessous? Ah mais oui, on peut passer par en dessous. On n'est pas obligé de passer par au-dessus. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est que le mec, il nous piège. Tel des FDP Sama. Tel Nono quand il joue Potemkin. Il tente de nous piéger. Tel Karaté quand il annonce qu'il va faire un stream sur un jeu. Alors qu'en fait, il sait pas. Tel Trunks. Quand il t'annonce qu'il a plein de projets pour toi, alors qu'en fait, il n'y en a jamais. Tel les impôts, quand ils te disent qu'ils vont peut-être te rembourser un peu d'argent. Ah oh, putain. Ah, moi je dis cette rentrée scolaire... Mais... Putain. Cette rentrée scolaire... 2017-2018. Hein. On va passer un nouveau cap dans le trash talk. Dans le manque de respect. Ah lui il veut que je meure très vite. Hein. C'est ça son problème. Hein. C'est qu'il veut que je meure très vite. Regardez-moi ça le Eggman là. Oh, il est marrant comme tout. Salut Brian. Merci pour le follow. Poc. Stop dire du mal de Trunks. Je dis pas du mal de Trunks. Oh là là. Qui aime bien châtie bien. Les gens dont je pense vraiment du mal, globalement, j'évite d'en parler tout court. Quand je charrie quelqu'un sur mon stream, c'est que c'est souvent bon enfant. Si j'avais vraiment des comptes à régler, je le ferais pas comme ça, tu sais. Attends, il y avait pas un truc là? Si. Ouais. Tudu.
ça c'est automatique. Ouais, c'est l'automatique qui me mène jusqu'au serpent. Ah oui, mais tout à l'heure j'avais perdu une vie sur le serpent. C'est ça aussi qui m'a foutu dedans, tu vois. À mon avis, Damdam n'est pas prévu pour la rentrée. Ah non, non, mais il a jamais été question. Il a jamais été question que je sois prévu à la rentrée, hein. Kelly. Ça n'a jamais été question de ça. Non, non, mais ne comprenez pas mal ce que j'ai dit. Hein. On m'a jamais fait croire quoi que ce soit et je me fais pas d'illusions non plus. Hein. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que non, effectivement, je ne suis pas prévu pour la rentrée sur la JVT. C'est pas prévu au programme. Pouf. Voilà. Oh, mais ceci dit, j'aimerais bien. Hein. Moi, ce serait avec grand plaisir. Le problème, c'est qu'avec les audiences que je fais, ils ne proposent que des... Ils ne proposent que des horaires qui sont pas... Bah, en fait, ils ne proposent que les horaires où j'ai déjà un boulot, c'est-à-dire le week-end. Quoi. Donc c'est pour ça que je ne suis plus. Le jour où je ferai des milliers de viewers, on me reproposera des créneaux de début ou milieu de semaine. Et ça sera cool. Non, pour régler les comptes, il faut faire un drama Twitter. Twitch, c'est trop privé. Ouais, mais non, mais même Twitter, moi, je fais jamais de drama. Moi, je suis souvent l'origine de drama sur Twitter. Mais moi, c'est rare que je me fight vraiment avec des gens sur Twitter. À une époque, il y a longtemps, j'avais essayé un peu. Mais tu comprends vite que le système est très, très limité. Quoi. On peut pas retourner en arrière? Ah non. Poc. Ah mais oui, c'est vrai qu'avec la sphère, j'ai le double fucking jump. Ah bah ça alors. Ah, c'est quoi ça déjà? Ah, mais il y a le dash! Putain, j'hallucine, il y a le dash de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça se pousse. Ah, mais qu'est-ce que... Attends. À quoi ça sert ce truc? Attends, s'il se renverse, c'est forcément pour une raison. What? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Passage secret? Ah, on peut pas aller à l'anneau là? Jump. Voilà le boost. Il y a un truc qui a essayé de me foncer dedans là. C'est très très drôle. Ça sert vraiment à quelque chose que je fasse par là ou pas? Ah tiens, c'est le Jean-Michel Furax. Bizarre.
bienvenue sur ce stream. J'espère que t'es un peu moins furax qu'hier, hein, quand même. Jean-Michel Furax. On avait déjà Jean-Pierre Porno. Maintenant, on a Jean-Michel Furax. Ah ouais, lui, on peut pas l'attaquer en frontal, en fait. Oh, il est génial, ce niveau. Il y a une sacrée ambiance. Ah, et du coup, peut-être qu'avec le... Peut-être qu'avec la boule du feu... Toujours Furax, c'est le concept. Ah, merde. On va essayer de lui... Ah, merde. J'hallucine. Non. Ouais, en fait, il fait exprès de me faire rebondir. Tu t'approches de moi un moment ou pas? Ouais, c'est ça. Il faut absolument que je compense le jump. Ah, putain. L'anneau. Il faut absolument que je récupère cet anneau. Paf. Oh putain. J'ai récupéré l'anneau. Ouais. Troisième. Allez, vas-y, faites que ça passe. Alors lui, c'est quoi? Ah oui, c'est ça, il fait tomber des trucs. Ah, j'ai perdu mon anneau. Ah. Mais comment faire? Comment faire pour bien faire? Je ne sais point, je ne sais pas, je ne sais plus. Je suis perdu. Ma vie est inutile. Et mes techniques encore plus. Ah, damned. J'ai du mal avec le dernier, là. Alors, bon, le premier il est ghetto, c'est juste qu'il met du temps avant de se. Avant d'être achevé. Ok. Ah putain. Six anneaux. Pof. Le problème c'est que même le robot en fait on peut pas vraiment le toucher. Oh putain. Ok. Combien de fois faut toucher? 5, 6? Là c'était déjà la cinquième fois. Ah putain. Cette fois. Huit fois. Mais putain, mais c'est pas possible. Ça doit être 10 fois. Ouais, c'est 10. 9. Merde. Ah putain! Ah putain, j'en ai marre. Putain. Non mais c'est pas possible, ça fait 11 coups. C'est bon. Ok, 1. Hein? 2. Lui, il est ghetto. 3. Ok. On va essayer de l'attaquer par la gauche. Je comprends pas en fait comment il fonctionne. Voilà, là il fait tomber des trucs.
Fac, l'anneau. C'est bon. Ok. C'est très osé. C'est très osé là ce qu'on est en train de faire. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Ok. Ah! Fuck! Il faut taper le robot. Mais non, en fait, le robot, si je le touche, je meurs direct. C'est ça le problème. Ah putain! Non, je peux pas toucher le. Je peux pas toucher le robot. C'est sur le robot quand il clignote. Mais à quel moment il clignote jamais? Bah. Attends, là je l'ai touché trois fois. Je comprends rien. Tu vois, en fait, merde. Fuck. Oh, putain. J'ai pas tout compris. Fuck. Vite. Putain. Mais en fait, ce que je comprends pas, si vous voulez, ce que je comprends pas, c'est que quand je saute sur le robot, ben en fait il se passe rien, en fait je passe à travers lui, en fait ça n'engendre rien du tout, en fait c'est ça que je comprends pas. Quand le robot reprend sa forme, les yeux clignotent. Quand ils redeviennent rouges, c'est trop tard. J'ai juste vu un seul combat et j'admets que je comprends pas tout. Putain, et puis là en plus il faut se refaire tout. Alors le mec il m'a dit ouais 3h30 de durée de vie de jeu. Putain. On est quoi là? On est même pas à la moitié du jeu? Ça fait déjà 6 heures que je suis dessus. Tout va bien. Je suis assez. Je ne sais trop que dire. On va réessayer, hein. Ah merde. Mal barré. Pareil, tu vois là les condors qui te foncent dessus.
Tu vois, genre là, le dash arrière, je l'ai jamais décidé, quoi. Pourquoi Sonic l'a sorti, je sais pas. Bon, cette première partie du niveau, c'est vraiment fait pour survivre. Bon, heureusement que le double niveau est quand même très très cool. Protection que je viens de perdre. Putain, ça commence à m'éclater les pouces en plus. Je te jure. On me donne un stick arcade par pitié. Il a fait exprès de revenir vers le haut, quoi. Juste pour m'emmerder. Just to embarrass me. La zig de ouf, mais carrément. C'est carrément une zig de ouf. Alors. De mémoire, il n'y a rien de très compliqué. Il y avait quoi là en bas? Ok. Il y avait la... Comment dire, le double jump qu'il était possible de faire. Alors. Ok. Je pense qu'en fait on peut pas le toucher. Là il fait juste sa parade. La parade amoureuse du ver de terre rose du désert d'Arizona est réputée pour être particulièrement conne et inutile. En effet, l'animal étant hermaphrodite, il n'a pas à se reproduire. C'est les reportages chiants là, c'est. J'ai touché là ou pas? Pof. Là j'ai touché. Pof. Poc. Allez, après moi. Chaque poc. Poc. Attention. Poc. Merci. Et j'ai un score de 4000 points exactement. Salut mademoiselle Quinzel. Merci à toi pour le petit follow du plaisir. Oh, je suis quand même déçu parce que un des derniers streams que j'ai fait avant de partir en vacances, il y avait Mistrinity qui avait followé. Et en fait, elle s'est jamais exprimée sur le chat. Je sais pas si des fois elle regarde le stream en loose day, tu vois, sans s'exprimer. J'aimerais bien discuter avec elle aujourd'hui. Elle a l'air. Je sais pas en fait. Comme on dit dans le milieu, elle n'a pas l'air inintéressante. Petit booster. Ce qui est bien, c'est que t'as beau faire le niveau plein de fois, tu vas jamais exactement au même endroit une fois sur l'autre. Oh non! Attends. Ouais, c'est bon. Bon, après, c'est une streameuse professionnelle, hein. Elle connaît forcément la loi des 10 minutes et. C'est aussi pourquoi il y en a qui le font. Putain, la musique elle est tellement cool! Ce flingue, j'en parle même pas.
Et on est reparti. Oh putain. Oh putain, ce boss de merde. Alors. On va essayer de pas perdre notre temps. Alors voilà, on perd tous les anneaux. Voilà. Là, c'est elle qui lui a sauté et qui lui a sauté dessus en fait. Ah oui, là ça a marché. Ah ouais, donc en fait c'est vraiment juste après quoi. Pof. Pof. Voilà. Pof. Pof. En fait, faut bourrer la reine quoi. Comme bien souvent, il faut bourrer la reine. Pof. Là, c'est Ice qui lui a sauté dessus. Pof. Pof. Voilà. Ouais, parce que je lui ai fait des doubles pofs. Merde. Fuck. Poc. Ouais, trop tard. Poc. Poc. Nose. Voilà. Et ben voilà. Ah bah oui, forcément, quand tu comprends comment fonctionne le boss, c'est tout de suite plus simple. Oh là 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 là. Je remercie hein, les personnes qui ont regardé cette... qui sont sur la VOD YouTube actuellement, qui sont en train de péter un plomb. Ça peut pas être pire que mon let's play du premier Portal, qui je pense a dépassé toutes les conneries les plus absurdes les unes que les autres. Oh, et on se fait envoyer au loin, dans le Oil Ocean. Ah, ah vas-y, petite pause là. Oh là là, la petite pause s'impose là, excusez-moi, mais c'était compliqué cette histoire quand même. Oh là 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 là. Ah vas-y, je me mets en position vautrage. Ah bon sang de bonsoir. Moins 3-9, je remettrai le son tout à l'heure. On fait la mini-pause quand même. Vient de Sonic 2. De quoi la Oil Ocean? Le niveau, tu veux dire, ça vient de Sonic 2? Ouais, c'est possible. Hein. Tu sais que j'ai encore en tête la musique de la version PS4 de Super Meat Boy sur la Cotton Alley, quoi. Une des rares musiques qui, je trouve, est mieux sur PS4 qu'en original, quoi. Que sur le bah, la version version du jeu classique en fait. L'océan n'a pas été repris sur Sonic 4. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un Sonic 4. Et il donnait quoi, le Sonic 4? Je l'ai pas vu, moi, celui-là. Enfin, je l'ai pas, j'ai pas joué à celui-là. Ah, là, là. Damned. Salut à Yokamiaou. Merci pour le follow, c'est assez incroyable. Effectivement, un pseudo pareil, c'est assez incroyable. Attends, je vais auto-RT mon truc. Ah mais personne ne l'a RT. Oh, quelle déception. Personne n'a RT mon super tweet. Je vais le faire moi-même. Sonic 4, pas terrible car beaucoup de repompes telles que des anciens
les boss notamment, fallait acheter plusieurs parties du jeu séparément. Ah ouais, ça, ça craint, ça. Ah mais si, il y a eu 5 retweets, pourquoi ils apparaissent pas chez moi? Quoi la go fist? Ben ouais, le Born, écoute, merci d'être passé. Merci d'être passé. Clac, clac. Et le dos qui fait clac, clac. Ah, et comme ça, on se fait une fat VOD aujourd'hui. Ou une courte. Ouais, peut-être que je vais faire une séparation ici. Allez, à bientôt YouTube pour une autre VOD qui sera, je pense, encore mieux que celle-ci, qui était déjà pas mal. Allez, à bientôt. Au revoir. Ouais.